C'est en ce moment où le monde commémore la journée de monuments et des sites que le gouverneur de province a choisi de rendre hommage à l'icône transgénérationnelle du théâtre katangais en particulier et congolais en général. Odilon Kimbekasuli, alias Mufankolo Alessa, est décédé il y a 3 ans. Il avait 85 ans. Au cours d'une cérémonie de souvenirs et purement culturelle et agrémentée par les artistes tradis modernes, Jacques Abulakatwe a dévoilé le monument de Mufankolo Alessa, fabriqué en semi-marbre, long de 4 mètres et au désormais ex-rond-point carrefour, juste à côté de l'espace de l'unité katangaise. Le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale, dirigé par son président Michel Kabwe, a pris part à la cérémonie. Par ce geste, le gouverneur vient de marquer l'histoire. Il immortalise ainsi l'humoriste, dramaturge et metteur en scène qui a prêché le vivre ensemble et l'unité des Katangais durant des générations, a rappelé le ministre provincial ad intérim en charge de la culture et art, Héritier Kyungu. Au nom de la famille biologique, Justine Mufankolo a rendu hommage au gouverneur Jacques Abula pour avoir immortalisé l'artiste Mufankolo Alessa. Merci au gouverneur du Haut-Katanga, merci au président Félix Antoine Tshilombo, c'est parce qu'il avait honoré notre gouverneur et notre gouverneur, il continue toujours aussi à honorer ses fils et filles du Haut-Katanga. Décédé en 2021, Mufankolo reste présent à travers ses multiples œuvres. Le gouverneur Jacques Abulakatwe a rassuré les artistes qui seront toujours pris en compte dans le programme d'action du gouvernement provincial. Les pièces, il y a de cela 20 ans, 30 ans, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'il a monté pour pas la conséquence, mais la conséquence qu'à moi, qui m'a dit qu'il y a fait mon conseil. Donc on a retenu l'éducation. Il est acteur et dramaturge autodidacte, Odilon Kimbekasuli, alias Mufankolo Alessa, a laissé plus de 2000 œuvres, ce qui fait de lui une légende du théâtre katangais et congolais.